L'UHBN tient aujourd'hui la 31e session de son conseil d'administration. Donc, la campagne 2021-23 a été marquée par une pluviométrie satisfaisante dans l'ensemble. Donc, néanmoins, des cas d'attaque de jacide et d'inondations ont été enregistrés. Donc, ce qui a provoqué d'énormes pertes sur les superficies. Malgré tout cela, les productions ont été attendues, notamment en céréales, suite aux résultats des carrés de rendement et du comptage capsulaire. Donc, nous nous attendons à la production effectivement de 354 268 tonnes de céréales, 21 000 tonnes de coton graines, entre autres. Donc, quand on voit, c'est une campagne qui a été moyenne dans la zone d'intervention de l'UHVN. Messieurs les administrateurs, la campagne agricole 2022 a été caractérisée en zone UHVN par une pluviométrie dont les hauteurs et la répartition ont été satisfaisantes. Cependant, des cas d'inondation et d'attaque de jacides ont été enregistrés dans certaines localités, entraînant des pertes énormes de superficie sur des cultures de coton, maïs, sorgho, mil et riz. Malgré le retard accusé dans la mise en place, 9057 tonnes d'engrais ont été placées auprès des exploitantes et exploitants agricoles. Nonobstant ces contraintes que je viens d'énumérer, des résultats probants ont été obtenus. Il s'agit entre autres de la réalisation de 354 268 tonnes de céréales sur une prévision de 507 221 tonnes, soit un taux de réalisation de 70%. 61 000 tonnes de légumineuses alimentaires sur une prévision de 65 895 tonnes, soit un taux de réalisation de 93%. 21 000 tonnes de coton graines sur une prévision de 29 000 tonnes, soit un taux de réalisation de 72%. 3 861 tonnes de sésame sur une prévision de 4 893 tonnes, soit un taux de réalisation de 79%. Et enfin, 261 787 tonnes de légumes sur une prévision de 284 745 tonnes, soit un taux de réalisation de 92%. Dans le domaine de la production animale, les activités ont porté sur le suivi de l'embouche et de l'apiculture. Concernant la protection de l'environnement et de la biodiversité, les actions ont été essentiellement focalisées sur la production de la fumure organique, les mesures de lutte anti-érosive, la production et la plantation d'essences forestières. En outre, trois périmètres maraîchers et des infrastructures de stockage ont été réalisés avec l'appui de l'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation, en abrégé ATI. Mesdames et messieurs, l'année 2023 est porteuse d'espoir. En effet, l'Office de la Haute-Vallée du Niger entreprendra un vaste programme d'activités dans le domaine de la production agricole, l'équipement et infrastructure agricole, la gestion durable de l'environnement, la promotion des femmes et l'emploi des jeunes ruraux, l'organisation du monde rural et enfin la réalisation et la promotion des micro-projets. Je ne saurais terminer mon propos sans demander au personnel de l'UHVN à persévérer dans l'effort afin de jouer son rôle dans la réalisation de la volonté des autorités de la transition de faire de l'agriculture le moteur de développement économique du Mali pour le bonheur et la souveraineté du peuple malien. C'est sur cette note d'encouragement que je déclare ouvert
les travaux de la 31e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de la Haute-Vallée du Niger. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie.